Un. OK. Merci. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette assemblée assez spéciale à soir. C'est une première en vidéoconférence. Que je tiens à souhaiter la bienvenue à mes collègues qui sont tous présents, même ceux de l'agglomération. Merci de votre présence virtuelle. Je tiens à saluer aussi les gens sur YouTube. Pour commencer, peut-être que j'aimerais que souhaiter à tous une bonne année à la population de l'agglomération, une bonne année heureuse, santé, puis que pour 2022, qu'on puisse revenir à une situation normale en étant en présentiel. Pour le déroulement de la soirée, je dois laisser la parole à Mme Landlais, qui est au centre social, pour nous dire un peu le déroulement pour la période des questions. Fait que Hélène, on te laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. Alors, vous comprendrez qu'en raison des mesures sanitaires, les assemblées publiques ne peuvent pas être présentées en présentiel. Donc, on est passé en mode virtuel. Je tiens à vous dire que si vous nous écoutez à la maison et que vous avez des questions, ça vaut aussi pour la période des questions des médias, tout comme pour la période des questions des citoyens. Vous pouvez nous écrire par courriel à l'adresse conseil@commercialville.latuc.qc.ca. Je recevrai vos questions et je les poserai pour vous au bon moment dans l'ordre du jour de la réunion. Donc, merci et bonne rencontre à tous. Merci beaucoup, Mme Landlais. On va commencer avec l'ordre du jour, l'adoption. Mme Lévesque, est-ce qu'il y a des changements, des ajouts? Il n'y a pas de modification à l'ordre du jour, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Monsieur Bernier, secondé par Mme Duchesne. Merci. À l'item 3, on a plusieurs adoptions de procès-verbaux. Madame Lévesque, si vous pouvez en faire Oui. la description. En fait, nous avons l'adoption de trois procès-verbaux qui ont été soumis aux membres du Conseil, soit celui de l'Assemblée ordinaire du 21 décembre 2021, ainsi que les deux procès-verbaux des assemblées extraordinaires concernant le budget tenus le 22 décembre 2021. Alors, attendu que les membres du Conseil ont reçu copie des dix procès-verbaux et en ont pris connaissance, en conséquence, il est résolu que les procès-verbaux des assemblées ordinaires du 21 décembre et des deux assemblées extraordinaires du 22 décembre 2021 soient adoptés tels que rédigés. Merci. Avant d'avoir un proposeur, j'aimerais revenir un petit peu sur l'adoption des procès-verbaux. Le point, c'est qu'on a eu un beau budget à 0,88. On est dans les plus basses villes en Mauricie avec un taux de taxation aussi bas, surtout avec un IPC de 5,1. Fait que je tiens à féliciter encore, on l'a fait avant. Et là, je tiens encore à féliciter toute l'organisation, l'équipe, les membres du conseil d'agglomération pour le travail sur le budget. Alors, ça me prendrait un proposeur. Madame Duchesne, Monsieur Fortin, merci. En D, le suivi, bien, il n'y a aucun suivi. En correspondance, il n'y a aucune correspondance. En 5, adoption, rapport final au Fonds de développement des territoires 2015-2020. Madame Lévesque. Alors, attendu l'entente relative au Fonds de développement des territoires signée entre le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et le conseil d'agglomération de Latuc pour favoriser le développement local et régional sur son territoire, attendu qu'en vertu des exigences du ministère, le conseil d'agglomération doit adopter le rapport final d'activité du Fonds de développement des territoires et le déposer sur le site Web de Ville de Latuc pour consultation. Attendu que les membres de ce conseil ont pris connaissance du rapport produit par le Service de développement économique et forestier pour les années 2015 à 2020, indiquant que pour cette période, 97 projets ont été financés par le Fonds de développement des territoires pour un engagement de 5 145 920,74 $. Attendu que ce soutien financier a permis la création ou la consolidation de 307 emplois liés à ces projets, qui ont généré ou généreront des retombées économiques de l'ordre de plus de 27 millions de dollars. En conséquence, il est résolu que ce conseil d'agglomération adopte le rapport final du Fonds de développement des territoires couvrant les années 2015 à 2020.
Merci beaucoup, Madame Lévesque. C'est pas rien comme justement comme rapport final. Je tiens à féliciter toute l'équipe là-dessus. Il y en a qui ont des commentaires. Oui, alors moi, je voulais apporter le commentaire suivant, c'est que le Fonds de développement des territoires, ainsi que le nouveau, qui s'appelle maintenant le Fonds Région-Ruralité, ce sont deux fonds issus des pactes fiscaux qui sont signés entre le gouvernement provincial, plus précisément le ministère des Affaires municipales, et les deux unions municipales, soit la FQM, la Fédération des Québécoises et municipalités, et l'Union des municipalités du Québec. Donc, c'est important parce que c'est quand même à peu près de l'ordre d'à peu près 1 million par année qui est déposé à l'agglomération de la TUC et qui va à toutes sortes d'entreprises pour le développement de notre région. Alors, c'est majeur comme fonds. Puis on l'a encore aussi pour les prochaines années. Fait que ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Madame Duchesne, appuyée par Monsieur Pronovost. Merci. Puis le rapport va être mis sur le site web de la ville. Point 6. Autorisation de signature, addenda numéro 1 de la Convention d'aide financière avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Alors, attendu la convention d'aide financière intervenue avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation relativement à la création du réseau Accès Entreprises Québec le 17 mars 2021, attendu que ce financement permettait l'embauche de deux ressources à temps plein afin qu'elles puissent offrir des services qui répondent aux besoins des entreprises du milieu, attendu que le ministère accepte de conclure un addenda à la dite convention afin de permettre l'utilisation de la somme non dépensée du versement de 100 000 $ sur toute la durée de l'entente, soit jusqu'au 31 mars 2025, ainsi que de pouvoir rendre admissibles des frais liés à des ressources externes de l'organisation, permettant l'accès à certains services spécialisés. En conséquence, il est résolu que ce conseil d'agglomération autorise le président, M. Luc Martel, à signer pour et au nom de l'agglomération de la TUC l'addenda numéro 1 à la convention d'aide financière avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation relativement au réseau Accès Entreprises Québec, ainsi que tout document relatif à la présente résolution. Merci. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Dubé, appuyé par Monsieur Chagnon. Merci. Fait que s'il y en a qui ont des projets, allez voir Vanessa au Manon, à Manon, à SDEF. Ça va vous faire plaisir. Ça va leur faire plaisir de vous accueillir. On s'en va à l'item 7. Autorisation de signature, avenant numéro 9 au contrat de prêt financier avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Alors, attendu qu'un contrat de prêt est intervenu le 24 avril 2020 entre l'agglomération de la TUC et le ministère de l'Économie et de l'Innovation pour l'établissement de mesures spécifiques d'appui aux entreprises touchées par la pandémie de la COVID-19 dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises, attendu que ce contrat précise les modalités du programme et les modalités de remboursement du prêt consenti à l'agglomération par le gouvernement du Québec, attendu que le 16 novembre 2021, le gouvernement a autorisé des modifications aux normes et modalités du programme afin de le prolonger le moratoire de remboursement du volet aide aux entreprises en région en alerte maximale jusqu'au 31 janvier 2022 et de permettre l'octroi d'une aide financière additionnelle pour la relance, attendu qu'il y a lieu d'apporter des modifications au contrat de prêt au cadre d'intervention du programme. En conséquence, il est résolu que ce conseil d'agglomération autorise le président, M. Luc Martel, à signer pour et au nom de l'agglomération de la TUC l'avenant numéro 9 au contrat de prêt dans le cadre du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, ainsi que tout document relatif à la présente résolution. Merci. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Fortin, appuyé par Monsieur Godreau. Merci beaucoup. On va aller à l'item 8, temps d'hiver et rien. Commentaire du président, ben, je les garde pour l'Assemblée de proximité. Commentaire des membres, en commençant par Madame René. Bonsoir, je voudrais dire que ici à la Boissonnée, on a trouvé une nouvelle DG en la présence de Madame Isabelle Bouchard. On est très contents. Je vous dirais qu'elle travaille fort. Elle a commencé en décembre dernier et elle a commencé comme secrétaire et elle est devenue DG au 1er janvier. Fait qu'on est très contents et on espère la garder longtemps.
Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci et on vous souhaite bonne chance. Et merci. Monsieur Godreau. Oui, bien, écoute, je n'ai pas de commentaires, sinon j'en profite pour souhaiter une bonne et heureuse année à tout le monde, aussi à toute la population. Santé. Merci. Merci. Madame Stein. Ben, je souhaite bonne année à tous. Puis avec l'agglomération, tout ce qu'il y a de beau, on ne peut pas avoir de mieux qu'en espérant qu'on aille plus pour les prochaines années. Que, félicitations pour ce groupement. Merci. Merci. Monsieur Prenevaux. Merci, Monsieur le Président. Aucun commentaire. Merci. Monsieur Chagnon. Non, pas de commentaire. Monsieur Fortin. Je n'ai pas de commentaire. Je souhaite une bonne et heureuse année à tout le monde, puis de la santé. Puis que les gens apportent beaucoup de projets au SDF. On a des sous pour vous autres. On prospère vers le futur. Bon commentaire, Monsieur Fortin. Monsieur Dubé. Aucun commentaire, moi non plus. C'est bien. Monsieur, oui. Regarde la cerise sur le Sunday. Monsieur Bernier. Merci pour la cerise. Alors, je voulais juste ajouter. Comme tous les bons souhaits qui ont été énoncés ce soir là, de bonne année, là, santé, bonheur, amour, etc., moi, je voudrais rajouter celui de la résilience. Parce qu'on vit des temps difficiles. Là. Pensons à nos entrepreneurs, les restaurateurs, entre autres, là, qui en attrapent toute une. Là. Alors, je pense qu'il faut souhaiter aux gens de la résilience pour passer à travers cette crise-là pandémique. Merci, M. Bernier. Madame Landry, est-ce qu'il y a des questions du public? Non, Monsieur le Président, j'ai reçu aucune question. Faut-il encore attendre 15 secondes ou on peut passer à la suite? Non, je pense que ça va être correct. Oui, OK, merci. Ben là, je propose la levée de l'Assemblée. Ça me prendra un proposeur. Monsieur Dubé, Monsieur Chagnon, on revient à environ dans 5-10 minutes. Ne l'oubliez pas. Merci.
1, go. Merci. Rebonsoir. Rebonsoir à mes collègues. Rebonsoir aux gens de YouTube. On va aller, si un petit peu, il y a un peu de manquement ou n'importe quoi, ben dites-vous aussi que c'est une première en vidéoconférence, puis la première réunion, ça a bien été. Peut-être qu'on a perdu Claude à un moment donné. Claude est revenu. Fait que, on est bien content de te réaccueillir. Fait que, peut-être aussi avant de commencer, je vais laisser la parole à Hélène pour justement donner un petit peu le compte-rendu, pas le compte-rendu, mais la marche à suivre de la réunion. Merci, Monsieur le maire. Donc, pour ceux qui n'étaient pas avec nous pour la première rencontre, je vous rappelle que pour les questions des médias ou encore les questions du public, vous pouvez nous écrire à l'adresse courriel conseil@commercialville.latuc.qc.ca. Je recevrai vos questions et nous pourrons les poser à la fin de l'Assemblée lorsqu'il y a les périodes de questions. Par contre, je vous dirais que comme il y a un petit délai, si vous avez des questions à l'avance, écrivez-nous à l'avance, ça va être plus facile d'un point de vue technologique. Donc, merci et bonne assemblée. Bien, merci beaucoup, Mme Anglais. Alors, on va aller au point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Mme Lévesque, est-ce qu'il y a des changements, des ajouts? Il n'y a aucune modification, M. le maire. Bien, merci. Alors, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. M. Prenevot, appuyé par Mme Duchesne. Merci. Item 3, adoption de quelques procès-verbaux. Oui. Enfin, nous avons trois procès-verbaux qui vous sont soumis. Soit le procès-verbal de la dernière assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 21 décembre 2021, ainsi que les deux assemblées extraordinaires lors de l'adoption du budget qui se sont tenues le 22 décembre 2021. Alors, attendu que les membres du conseil ont reçu copie des 10 procès-verbaux et en ont pris connaissance, en conséquence, il est résolu que les procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire tenue le 21 décembre et des deux assemblées extraordinaires tenues le 22 décembre 2021 soient adoptés tels que rédigés. Merci. Alors, ça me prendrait un proposeur, M. Godreau, appuyé par M. Dubé. Merci. On va aller avec le suivi des procès-verbaux. Oui, il y a une question. Dans le suivi, il y a une question de la journaliste, Mme Audrey Tremblay, au sujet de la piscine. Quand est-ce qu'elle a fermé? On a eu la réponse. Elle a été fermée au mois de mars, la cause du COVID 2020. Et en juin, à l'été juin de 2020 aussi, elle a été fermée par la commission scolaire pour la défectuosité. Puis il faut dire aussi que dans ce projet-là, la commission scolaire va payer 1,3 million pour la réfection complète qui va être assumée entièrement par eux autres. On espère la réouverture en 2023. Qu'est-ce qui fait suite au suivi? En 4, correspondance, il n'y a absolument rien. En 5, rapport des permis de construction, Mme Lévesque. Oui, alors pour le mois de décembre dernier, pour le mois de décembre 2021, alors il y avait 24 permis qui avaient été émis. Comparativement à l'année précédente, 2020, où 22 permis avaient été émis, donc pour une valeur des travaux de 383 603 $ À titre comparatif, en décembre 2020, c'était une valeur des travaux qui totalisait 266 075 $ Il y a donc un écart positif de 2 permis et un écart positif en valeur des travaux de 117 528 $ Au niveau du cumulatif pour l'ensemble de l'année 2021, nous avons un écart des permis émis négatif de 267. Par contre, une augmentation de la valeur des travaux pour le total de l'année 2021 au montant de 8 270 507 $ Au niveau du bilan pour l'année 2021, donc nous avons eu 8 nouvelles constructions résidentielles pour une valeur des travaux de 2 169 000. 52 nouvelles constructions de villégiatures, donc des chalets, pour une valeur des travaux de 2 977 500 $ Donc, c'est un écart positif de 14 permis émis. Nous avions 6 nouvelles constructions commerciales, donc 4 permis supplémentaires émis pour une valeur des travaux de 1 527 900 et 186 permis pour des rénovations résidentielles, 38 permis pour des agrandissements résidentiels ainsi que 124 constructions de bâtiments accessoires. Donc, c'est ce qui fait le bilan pour l'année 2021. C'est bien. Comme on peut voir, bien, ça bouge. Ça va continuer à bouger en 2022. Et en espérant que ça y aille toujours
dans ce côté-là. Merci beaucoup, Mme Lévesque. Point 6, direction générale. 6.1, autorisation de signature, programme emploi été Canada 2022. Attendu que Ville de Latuc désire se prévaloir du programme gouvernemental d'aide financière pour la création d'emplois étudiants, en conséquence, il est résolu que ce conseil municipal autorise la conseillère en santé et sécurité du travail et ressources humaines, Mme Cathy Rochefort, et ou la directrice des finances et trésorières, Mme Christine Gervais, à signer pour et au nom de Ville de Latuc tous les documents et formulaires nécessaires à l'obtention d'une subvention fédérale dans le cadre du programme d'emploi pour étudiants Emploi d'été Canada 2022. Merci. C'est un programme qui revient à tous les ans, puis qu'on adhère aussi, qui nous aide grandement. Alors, ça me prendra un proposeur. M. Dubé, appuyé par M. Chouagnon. Merci. À l'item 7 au greffe, il y a un avis de motion. Oui, M. le maire, il me fait extrêmement plaisir de vous présenter cet avis de motion. Je sous-signe Michel Brunovo, conseiller municipal, donne avis de motion qu'à une assemblée ultérieure de ce conseil municipal, il sera déposé pour adoption un règlement avec dispense de lecture concernant le code d'éthique et de déontologie révisé des employés municipaux de Ville de Latuc et qu'un projet de règlement est présenté et déposé à la présente séance. Merci beaucoup, M. Brunovo. 7.2, on y va justement avec ce règlement, le projet de règlement numéro 1000-222-2022 concernant le code d'éthique et déontologie révisée des employés municipaux de Ville de Latuc. Alors, attendu que la loi sur les élections et référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives relativement au projet de loi numéro 49 ont été sanctionnées le 5 novembre dernier, prévoit des modifications à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale devant être intégrées au code d'éthique et de déontologie des employés de Ville de Latuc. Attendu que les formalités prévues à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale ont été respectées, attendu la présentation et le dépôt d'un projet de règlement et qu'une avis de motion avec dispense de lecture est dûment donnée lors de la présente séance. En conséquence, il est résolu que le projet de règlement numéro 1222-2022 concernant le code d'éthique et de déontologie révisé des employés municipaux de Ville de Latuc soit adopté tel que rédigé. C'est simplement ajouter une précision à l'effet que tous nos projets de règlement et règlements sont déposés sur le site Internet de Ville de Latuc dans la section « Règlement ». Si les gens veulent en prendre connaissance. Merci beaucoup. Alors, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. M. Brunovo, appuyé par M. Chongyon. Merci beaucoup. 7.3, un avis de motion. Je sous-signe Doris Duchesne, conseillère municipale, donne avis de motion qu'une assemblée ultérieure de ce conseil municipal, il sera déposé pour adoption un règlement avec dispense de lecture concernant le code éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville de Latuc et qu'un projet de règlement est présenté et déposé à la présente séance. Merci beaucoup, Mme Duchesne. Alors, on va à 7.4 pour justement le projet de règlement numéro 1000-223-2022 adoptant le code éthique et déontologie révisé des élus de Ville de Latuc. Alors, attendu qu'en vertu de l'article 13 de la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, toute municipalité doit, suivant toutes les élections générales et avant le 1er mars suivant, adopter à l'intention de ses élus un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification. Attendu la présentation et dépôt d'un projet de règlement et qu'un avis de motion avec dispense de lecture a dûment été donné lors de la présente séance, en conséquence, il est résolu que le projet de règlement numéro 1223-2022 concernant le code d'éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville de Latuc soit adopté tel que rédigé. Merci beaucoup. Alors, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Madame Duchesne, appuyée par M. Godreau. Merci beaucoup. Puis, tout ça, ces projets de règlement-là font suite aussi à la loi 49 qui a été adoptée par le gouvernement. Puis, pouvoir donner peut-être plus d'explications, M. Poirier, s'il vous plaît. Oui. Bien, d'entrée de jeu, comme Mme Lévesque l'a mentionné, les projets de règlement qui sont adoptés ce soir par le Conseil et qui seront adoptés lors d'une séance ultérieure également sont disponibles sur le site Internet de Ville de Latuc. M. le maire l'a mentionné également, ces obligations-là découlent d'un projet de loi 49 qui est rentré en vigueur le 5 novembre dernier, donc le 5 novembre 2021, qui se trouve maintenant être la loi modifiant la loi sur les élections et référendums dans les municipalités,
la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives. Donc, à l'intérieur de cette loi-là qui a été adoptée en novembre 21, il était mentionné qu'il y avait deux obligations au niveau des villes, c'est soit d'adopter un code révisé au niveau des employés municipaux qui a été adopté précédemment à celui-ci, et au niveau des élus municipaux également, c'est qu'il devait y avoir une obligation au niveau des conseils municipaux dans différentes villes au Québec d'adopter un code d'éthique et de déontologie au plus tard le 1er mars prochain. Donc, c'est une procédure qui est soumise aujourd'hui, ce soir même, pour justement en arriver à l'adoption au niveau du code d'éthique et de déontologie pour les élus au plus tard le 1er mars. C'est une obligation à l'intérieur de la loi 49, qui est la loi qui a été modifiée là, dernièrement. Donc, le code d'éthique et de déontologie au niveau des élus, le conseil, les élus, auparavant, avaient déjà un code d'éthique. Le projet de loi 49 vient justement ajouter certaines dispositions, certaines obligations au niveau des élus par rapport à ce nouveau code. On y retrouve, entre autres, la valeur, tout ce qui guide les élus lors de leur mandat. Au niveau de l'honneur attaché aux fonctions de membres du conseil, la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, le respect et civilité. Civilité, c'est quelque chose qu'on ne retrouvait pas des anciens codes d'éthique ou ce que présentement, ça a été mis à l'intérieur des nouveaux. Donc, on parle beaucoup de respect, de civilité envers les autres membres du conseil de la municipalité, les employés et sous, et également les citoyens. On parle également des règles de conduite et des interdictions. Donc, tous les conflits d'intérêts, membres du conseil qui doivent se conduire avec respect et civilité également. Donc, vous pourrez voir à l'intérieur de ce projet de règlement qui se trouve être le Code d'éthique et de déontologie au niveau des élus, différentes dispositions. Entre autres, on parle des renseignements privilégiés. On sait très bien qu'un membre du conseil va obtenir de l'information privilégiée au niveau dans le cadre de son mandat. Mais à ce moment-là, comment qu'on doit préserver cette information-là au sein de l'organisation? C'est à l'intérieur du Code d'éthique et de déontologie qu'elle est dictée, cette obligation-là. Donc, il voit également la nouveauté, c'est qu'également aussi l'ensemble des membres du conseil à travers l'ensemble du Québec, peu importe pour les membres qui ont été élus versus les nouveaux membres, bien, on se doit de passer, ils se doivent d'avoir une formation sur l'éthique et déontologie dans les six mois suivant la proclamation de leur élection. Donc, en ce qui concerne le conseil municipal, la formation en éthique et déontologie va se dérouler la semaine prochaine. Donc, c'est une obligation encore là à travers la loi, qui est dicté à l'intérieur du Code d'éthique, mais qui est dicté également à l'intérieur de la loi sur l'éthique et déontologie en matière municipale. Merci beaucoup de ces commentaires, M. Poirier. Alors, on va aller au thème 7.5, autorisation de signature, servitude d'utilisation et cession d'une partie de terrain en faveur de Ville de la Tuque. Alors, attendu l'offre de cession entre la Ville de la Tuque et Tronc-Sud-Bayard Incorporé pour des parties de terrain situées dans l'emprise des rues Saint-Michel et Kitchener, attendu que Tronc-Sud-Bayard Incorporé consent à accorder une servitude d'utilisation sur une partie du lot 5 329 506 partie A à la Ville de la Tuque afin de procéder à l'installation d'une conduite ainsi que d'un bassin d'enrochement, attendu qu'une description technique de la servitude a été effectuée par l'arpenteur géomètre, attendu l'établissement de cette entente ne requiert aucune vente de terrain et n'entraîne aucun coût pour la municipalité. En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal autorise le maire et le directeur général adjoint greffier à signer pour et au nom de Ville de la Tuque l'acte notarié concernant la cession des parties des lots 5 329 506 partie B et 5 329 506 partie C situées dans l'emprise des rues Saint-Michel et Kitchener appartenant à Tronc-Sud-Bayard Incorporé en faveur de la Ville de la Tuque. Ainsi, que la servitude d'utilisation par Ville de la Tuque sur une partie du lot 5 329 506 partie A et que ce conseil municipal autorise également le directeur général adjoint et greffier à déterminer d'autres conditions reliées à cette cession, que les frais inhérents à la transaction soient à la charge de Ville de la Tuque. Merci. Avez-vous des commentaires à apporter, M. Poirier, sur... Non, en fait, c'est deux bouts de rue qu'au niveau de toute la réforme cadastrale qu'il y a eu là, quelques années, là, à peine deux ans, il y a des tronçons, même des rues qu'on s'est rendu compte qui étaient propriété de Tronco. Donc, c'est la cession de ces deux bouts de rue-là. Au bout de la rue Kitchener, il y a une rue qui est projetée et sur la rue Saint-Michel, à la hauteur de la voie ferrée, il y a une petite parcelle qui est propriété de chez Tronco, mais qui devrait être un lot qui appartient à la ville. Et en contrepartie, bien, ils vont nous céder ces deux parties de l'eau-là.
Et en contrepartie également, ils vont nous autoriser une servitude d'utilisation pour le fameux bassin d'engagement qui est sur le terrain en bas de la rue Kitchener, pour justement permettre l'écoulement de l'eau pluviale pour qu'à la suite de ça, qu'elle percole dans le sol. Donc, c'est des travaux qui ont dû être faits, là, sans dire d'urgence, mais il n'y avait pas nécessairement de réseau pluvial à cet endroit-là, ce qui a fait en sorte qu'on a dû aménager justement un bassin d'engagement en bas pour justement permettre à l'eau pluviale de percoler dans le sol. Donc, c'est justement cette transaction-là qui va venir régulariser le tout de façon conforme et légale. Merci beaucoup, M. Boyer. Alors, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Madame Michel, appuyée par M. Dubé. Merci. L'item numéro 8, trésorerie 8.1, adoption compte à payer ou à ratifier pour le mois de décembre 2021. Madame Lévesque. Effectivement. Alors, au niveau des comptes à payer pour le mois de décembre dernier, on retrouve au fonds d'administration une somme de 1 435 101,48 $. Au niveau du fonds d'immobilisation, un montant de 1 106 180 $. Au service de la dette, 13 601 $. Les salaires nets et remises au gouvernement, 997 955 $. Au niveau des cartes de crédit, 11 945 $. Les paiements préautorisés, 142 091 $, ce qui totalise une somme de 3 706 875 $ pour le mois de décembre 2021. Merci. Alors, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Godreau, appuyé par Madame Duchesne. Merci. Je vais en profiter, Monsieur le maire, oui, pour dire qu'on a eu notre première rencontre pour le budget, là, les finances ce matin, en ce début d'année, avec les autres conseillers, M. Pronovost et Mme Chain. Donc, je tiens à souligner là, que le suivi est très rigoureux et puis très bien articulé. Les questions qu'on a eues à poser, eh bien, on a eu toutes les réponses avec pièces justificatives. Fait qu'on va continuer en ce sens-là. Mais je pense que le suivi est très bien amorcé. Merci beaucoup de ces commentaires, M. Godreau. 8.2. Règlement numéro 539-2021 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 550 000 $ pour des travaux d'infrastructures d'aqueduc, d'égout, de voirie et d'éclairage des rues pour le projet de développement domiciliaire dans le secteur domaine de la Drave. Alors, attendu la présentation et le dépôt d'un projet de règlement et qu'un avis de motion avec dispense de lecture a dûment été donné lors de la séance ordinaire tenue le 21 décembre 2021 par le conseiller M. Michel Pronovost. En conséquence, il est résolu que le règlement d'emprunt numéro 539-2021 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 550 000 $ pour des travaux d'infrastructure d'aqueduc, d'égout, de voirie et d'éclairage de rue pour le projet de développement domiciliaire dans le secteur du domaine de la Drave soit adopté tel que rédigé et que cet emprunt soit remboursé sur une période de 20 ans et financé par le prélèvement d'une taxe de secteur à chaque propriétaire d'un immeuble imposable desservi sur le territoire par un réseau d'aqueducs et d'égouts situé à l'intérieur du bassin de taxation décrit à l'annexe B, jointe au présent projet de règlement pour en faire partie intégrante. Merci. Alors, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Pronovost, appuyé par Monsieur Fortin. Merci. 8.3. Règlement numéro 540-2021 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 4 millions pour la mise à niveau de section du boulevard Charme, phase 2. Madame Lévesque. Alors, attendu la présentation et dépôt d'un projet de règlement et l'avis de motion avec dispense de lecture dûment donné lors de la séance ordinaire tenue le 21 décembre dernier par le conseiller M. Michel Pronovost. En conséquence, il est résolu que le règlement d'emprunt numéro 540-2021 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 4 millions de $ pour la mise à niveau de section du boulevard du Charme, phase 2, soit adopté tel que rédigé et que cet emprunt soit remboursé sur une période de 20 ans et financé par une portion des revenus généraux de nature locale en provenance de la ville de Latuc. Merci. Je prendrai un proposeur. Monsieur Dubé, appuyé par Monsieur Godreau. Merci. 8.4.
Règlement numéro 541-2021 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 1 530 000 pour l'inspection, réhabilitation et renouvellement des conduites d'acaduc et d'égout. Attendu la présentation et le dépôt du projet de règlement et l'avis de motion avec dispense de lecture dûment donné lors de la séance ordinaire tenue le 21 décembre 2021 par le conseiller M. Michel Poirevaux. En conséquence, il est résolu que le règlement d'emprunt numéro 541-2021 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 1 530 000 $ pour l'inspection, la réhabilitation et le renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égout soit adopté tel que rédigé et que cet emprunt soit remboursé sur une période de 20 ans et financé par le prélèvement d'une taxe de secteur à chaque propriétaire d'un immeuble desservi sur le territoire de Ville-de-la-Tuc par un réseau d'aqueduc et d'égout situé à l'intérieur du bassin de taxation décrit à l'annexe B, jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. Merci. Ça me prendrait un proposeur. Madame Duchesne et M. Poinebeau, merci. Peut-être des petits éléments d'explication, M. Poirier, sur ces trois règlements d'emprunt, s'il vous plaît. Oui, peut-être c'est important juste de mentionner au niveau des règlements d'emprunt. Vous allez retrouver ce soir des règlements puis des projets de règlement. On se souvient qu'à l'Assemblée du mois de décembre, pour prendre un peu d'avance pour l'adoption de ces règlements d'emprunt-là vis-à-vis du ministère des Affaires municipales, bien, on a dû présenter au niveau du conseil municipal l'adoption de certains projets. Donc, ce soir, vous retrouvez l'adoption des règlements. Puis suite à cette séquence-là, vous allez retrouver l'adoption d'avis de motion et de l'adoption de projets de règlement. Juste mentionner qu'à l'intérieur du budget, au niveau du programme de mobilisation des années 2022, 2023 et 2024, bien, c'est que le Conseil a adopté certains projets, certains dossiers où ça va nécessiter justement des emprunts. Donc, ce soir, ce qui est fait par le biais des règlements d'emprunt, c'est aller chercher vis-à-vis le ministère des Affaires municipales l'autorisation de dépenser, mais pas parce que c'est adopté à l'intérieur d'un règlement d'emprunt que ça nécessite assurément la dépense. Donc, la séquence suivante, c'est d'aller en appel d'offres pour justement exécuter ces travaux-là. Puis, toutefois, les soumissions sont trop élevées, bien, on va retirer à ce moment-là. Il y aura des discussions avec le conseil, puis il y aura des recommandations qui soient faites à l'effet de ne pas nécessairement faire la dépense. Puis, vous allez le voir aussi au niveau des citoyens, c'est que vous avez un projet de règlement, l'adoption d'un règlement. Donc, on parle souvent de la même chose, mais à l'intérieur du règlement d'emprunt, je vous dis, c'est une autorisation à aller chercher une autorisation de dépenser, mais ce n'est pas nécessairement une dépense qui est faite sur le moment même de l'adoption du règlement d'emprunt. Donc là, on vient de terminer une séquence d'adoption concernant des projets qui avaient été soumis au conseil en mois de décembre. Et là, on suit, dans le fond, la prochaine séquence avec des nouveaux projets de règlement d'emprunt pour justement réaliser les choses qui ont été priorisées par le conseil à l'intérieur du programme de l'immobilisation pour les années 2022. Merci des explications, M. Poirier. Si on va à l'item 8.5, il y a un avis de motion. Votre micro, Madame. Règlement décrétant une dépense et un emprunt au montant de 745 500 pour la réfection de rues, trottoirs, pavages, signalisations et chemins ruraux. Je sous-signé Doris Duchesne, conseillère municipale, donne avis de motion qu'à une assemblée ultérieure de ce conseil municipal, il sera déposé pour adoption un règlement avec dispense de lecture concernant une dépense et un emprunt au montant de 745 500 $ pour la réfection des rues et trottoirs, pavages, signalisations et chemins ruraux et qu'un projet de règlement est présenté et déposé à la présente séance. Merci, Mme Duchesne. Justement, à l'item 8.6, on y voit justement avec ce règlement-là, projet de règlement numéro 542-2022 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 545 500 $ pour la réfection des rues, trottoirs, pavages, signalisations et chemins ruraux. Mme Lévesque. Alors, attendu que Ville-de-la-Tuc désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa à l'article 544 de la Loi sur les cités et villes, attendu la présentation et le dépôt d'un projet de règlement et qu'un avis de motion avec dispense de lecture a dûment été donné lors de la présente séance, en conséquence, il est résolu que le projet de règlement d'emprunt numéro 542-2022 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 745 500 $
pour la réfection de rues et trottoirs, pavages, signalisations et chemins ruraux soit adopté tel que rédigé et que cet emprunt soit remboursé sur une période de 15 ans et financé par une portion des revenus généraux de nature locale en provenance de Ville de la Tuque. Merci. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Poinevaux, appuyé par Monsieur Godreau. Merci. 8.7. Avis de motion. Ton micro, François. Je sous-signé, François Fortin, conseiller municipal, donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil municipal, il sera déposé pour adoption un règlement avec dispense de lecture concernant une dépense et un emprunt au montant de 670 600 pour la réflexion et l'aménagement de divers parcs et infrastructures de loisirs et qu'un projet de règlement est présenté et déposé à la présente séance. Merci, M. Fortin. 8.8, on y va justement avec ce projet de règlement numéro 543-2022 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 670 600 $ pour la réfection et l'aménagement de divers parcs et infrastructures de loisirs. Mme Lévesque. Alors, attendu que Ville de la Tuque désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa à l'article 544 de la Loi sur les cités et villes, attendu la présentation et le dépôt du projet de règlement et qu'un avis de motion avec dispense de lecture a dûment été donné lors de la présente séance, en conséquence, il est résolu que le projet de règlement d'emprunt numéro 543-2022 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 670 600 $ pour la réfection et l'aménagement de divers parcs et infrastructures de loisirs soit adopté tel que rédigé et que cet emprunt soit remboursé sur une période de 15 ans financée par une portion des revenus généraux de nature locale en provenance de Ville de la Tuque. Merci. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Fortin, appuyé par Madame Duchesne. Merci. 8.9, il y a un autre avis de motion. Oui, règlement décrétant une dépense et un emprunt au montant de 368 000 $ pour la réfection de divers bâtiments municipaux. Je, sous-signé Claude Godreau, conseiller municipal, donne avis de motion qu'à une assemblée ultérieure de ce conseil municipal, il sera déposé pour adoption un règlement avec dispense de lecture concernant une dépense et un emprunt au montant de 368 000 $ pour la réfection de divers bâtiments municipaux et qu'un projet de règlement est présenté et déposé à la présente séance. Merci, M. Godreau. 8.10, on y va justement avec ce projet de règlement numéro 544-2022, décrétant une dépense et un emprunt au montant de 368 000 $ pour la réfection de divers bâtiments municipaux. Mme Lévesque. Alors, attendu que Ville de la Tuque désire se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième paragraphe du deuxième alinéa à l'article 544 de la Loi sur les cités et villes, attendu la présentation et dépôt d'un projet de règlement et qu'un avis de motion avec dispense de lecture a dûment été donné lors de la présente séance, en conséquence, il est résolu que le projet de règlement d'emprunt numéro 544-2022 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 368 000 $ pour la réfection de divers bâtiments municipaux soit adopté tel que rédigé et que cet emprunt soit remboursé sur une période de 10 ans et financé par une portion des revenus généraux de nature locale en provenance de Ville de la Tuque. Merci. Ça me prendrait un proposeur. M. Dubé, appuyé par M. Godreau. Merci. À l'item 9, sécurité incendie, il n'y a rien. En 10, travaux publics, il n'y a rien. En urbanisme, 11.1, demande de prolongation de délai et d'une aide financière supplémentaire au MELC pour l'élaboration d'un plan régional des milieux humides et hybrides. Alors, attendu l'adoption de la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, adoptée et sanctionnée le 16 juin 2017, attendu que l'article 9 de la loi modifie la loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques, en remplaçant notamment l'article 15 en stipulant qu'une municipalité régionale de comté doit élaborer et mettre en œuvre un plan régional des milieux humides et hydriques à l'échelle de son territoire, incluant le domaine hydrique de l'État, dans une perspective de gestion intégrée de l'eau pour tout bassin versant concerné.
Attendu que le plan doit être transmis au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques au plus tard le 16 juin 2022. Attendu qu'un guide concernant la démarche d'élaboration du plan a été rendu disponible en 2018. Attendu que plusieurs éléments du guide ont nécessité des précisions et des ajustements tout au long de la démarche. Attendu que la grille d'analyse du ministère de l'Environnement concernant la recevabilité et le processus d'approbation du plan a été présenté le 17 novembre 2021, soit moins de 7 mois avant l'échéance prévue pour le dépôt du plan. Attendu que les grilles de critères d'analyse du MAPAC, du ministère des Affaires municipales et du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles ne sont toujours pas connues. Attendu l'impact important de la pandémie de la COVID-19 sur l'organisation du travail, notamment les processus de concertation des acteurs du milieu. En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal demande au ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques un délai supplémentaire de 12 mois pour la réalisation du plan régional des milieux humides et hydriques et une bonification de 40 000 $ de l'aide financière sans ajout de nouvelles exigences. Merci. Peut-être un élément de complément. Élément de plus, M. Poirier. Oui, juste indiquer, dans le fond, la résolution l'indique, la loi sur concernant la conservation des milieux humides et hydriques qui a été adoptée en 2017 prévoyait qu'au plus tard, le 16 juin 2022, les municipalités régionales de comté se devaient d'adopter justement un plan régional des milieux humides et hydriques sur les terres privées. Donc, on le sait, là, avec les élections de l'automne dernier, la COVID, donc c'est de concert avec l'ensemble des MRC et villes MRC de la région de la Mauricie qu'on demande justement au ministère de reporter cette date-là au lieu que ce soit en juin 2022, que ce soit en juin 2023 pour le dépôt de ce plan régional des milieux humides et hydriques. Il y a un énorme travail à faire en amont et des présentations également sont à faire pour justement en arriver à un plan qui tient la route, qui est bien représentatif aussi de notre milieu. Donc, c'est une demande de report qui est demandée au niveau du ministère et également une demande d'aide financière de 40 000 $ pour l'élaboration de ce plan-là. Merci. Alors, je me prendrai un proposeur. M. Fortin, appuyé par M. Chongon. Merci. À l'item 12, loisirs, culture et développement touristique, 12.1, autorisation de signature, l'avenant numéro 2 de la Convention d'aide financière avec le ministère de la Culture et des Communications pour le complexe culturel Félix Leclerc. Attendu que Ville de la Tuque et le ministère de la Culture et des Communications ont conclu une convention d'aide financière le 4 mars 2018 afin de réaliser le projet mise à niveau du complexe culturel Félix Leclerc via le programme Aide aux immobilisations. Attendu que Ville de la Tuque sollicite une prolongation du délai de réalisation du projet afin de nous permettre de compléter le montage financier. Attendu que les termes de l'avenant numéro 1 à la convention stipulent que le projet doit être terminé le 16 janvier 2022. Et que le parachèvement du projet nécessitera un délai supplémentaire de 6 mois. En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal autorise le maire, M. Luc Martel, et le directeur général adjoint greffier, M. Jean-Sébastien Poirier, à signer pour et au nom de Ville de la Tuque l'avenant numéro 2 à la Convention d'aide financière avec le ministère de la Culture et des Communications concernant la prolongation du délai de réalisation du projet de mise à niveau du complexe culturel Félix Leclerc. Merci. Peut-être un petit élément de plus, M. Poirier. C'est juste important de mentionner que les travaux ne sont pas, on les retarde pas de 6 mois à compter du 16 janvier 2022. Donc, ils ne se termineront pas nécessairement en juin 2022. C'est au niveau de l'entente qui avait été signée en 2018 avec le ministère de la Culture, c'est qu'on était allé chercher une subvention de 2 900 000 et à l'intérieur de cette convention d'aide financière, les travaux. À l'intérieur, les travaux se devaient d'être terminés pour le 16 janvier 2022. Donc, on demande une prolongation de cette entente-là pour effectuer une reddition de compte au plus tard au mois de juin 2022, mais ce n'est pas de dire à l'intérieur de cette résolution-là que les travaux sont retardés, l'ouverture du complexe est retardée jusqu'en juin 2022, pas du tout, là. C'est uniquement au niveau de la convention. Il faut dire aussi que les sièges sont arrivés seulement pas longtemps. Les sièges, c'est ça, pour faire une mise à jour un petit peu des travaux. Il restait des gradins à recevoir. On les a reçus tout juste avant le temps des fêtes. Donc, il y a une équipe qui travaille pratiquement, sans dire 24 heures, mais 7 jours sur 7, avec des plages horaires qui sont plus de 8 heures de travail par jour, pour justement de terminer ce montage-là de gradins. Ensuite de ça, il y a quelques vérifications à faire, mais jusqu'à maintenant, l'installation des gradins va très bien. Donc, on va avoir une nouvelle, dans le fond, une nouvelle salle de spectacle.
mais aussi une ouverture très bientôt pour la population. Merci. Alors, ça me prendrait un proposeur. M. Pronovo, appuyé par M. Godreau. Merci. 12.2. Autorisation, formulaire de demande d'aide financière pour la tenue d'une activité pêche en herbe, édition 2022. Alors, attendu que Ville de la Tuque désire présenter une demande d'aide financière au programme de soutien pour l'ensemencement des lacs et des cours d'eau, ainsi qu'à la Fondation de la Fonde du Québec pour la tenue de l'activité pêche en herbe qui se tiendra au lac Saint-Louis le 4 juin 2022. En conséquence, il est résolu que ce conseil municipal mandate et autorise Mme Amélie Joubert, agente aux activités et événements, à signer pour et au nom de Ville de la Tuque la dite demande. Merci. Alors, ça me prendrait un proposeur. M. Fortin, appuyé par M. Dubé. Merci. Si on va à l'item numéro 13, maudit maire, j'aurais peut-être deux, trois petits points à vous parler. C'est que je tiens à remercier toute l'équipe qui doit s'ajouter à la situation quotidienne aux mesures prises par la santé publique au sujet de la COVID. Donc, félicitations à toute l'organisation, parce que je peux dire que les efforts sont mis, les réunions sont là, puis les recommandations y ont des suivis. Fait que je tiens encore à féliciter toute l'organisation. Hier, on a rencontré notre député provincial pour parler du sujet primordiaux pour notre développement économique. Si on parle de l'aéroport, de la route 25, c'est des sujets qu'on a discutés puis qu'on va avoir des suivis très prochainement. De plus, vendredi passé, on a parlé avec notre député et ministre fédéral, François-Philippe Champagne, de toute l'aide qu'il peut nous apporter au sujet de dossiers qui sont en cours. Si on parle de Via Rail, le maintien des, pour le maintien des services, de lac Saint-Louis, le curling, plusieurs autres sujets aussi qui ont été mis dans la machine fédérale. Puis là aussi, on va avoir des suivis, je peux vous dire, assez régulièrement avec le fédéral. Puis c'est des ententes qu'on a prises justement avec François-Philippe, justement pour qu'on ait des suivis assez régulièrement. Puis quand on parle de rencontre, bien, on a eu une aussi ce matin avec les membres, quelques membres du conseil de banque de Wemontachi pour faire une première ébauche de projet commun qui serait bénéfique pour chacun de nos communautés. Puis je peux vous dire qu'on a eu une très belle rencontre ce matin. Puis là encore aussi, on s'est prévu qu'on se rencontre assez prochainement pour mettre sur papier puis parler justement de ces projets-là à nos, à notre, pour moi, à mon conseil, puis lui à son conseil de bande, pour le reste de son conseil de bande, justement pour avoir des ententes écrites ou des projets communs qui peuvent nous aider. C'est pas mal le, tout ce que j'avais à dire. Alors, on va laisser la parole aux membres du conseil municipal, Mme Duchesne. Micro, Mme Duchesne, s'il vous plaît. Rien de spécial à dire, mais je suis contente de voir qu'on s'améliore avec la technologie. C'est incroyable. Que, félicitations à toute la gang aussi. Que, pour le tout, tout va bien. Franchement, on est une belle équipe. Merci. Merci. M. Chagnon. Bien, premièrement, je voudrais souhaiter une bonne année à tous les gens. Je voudrais aussi inviter les gens, là, on est dans une situation de COVID, il y a un paquet de restrictions, mais il n'y a rien d'interdit dans les activités extérieures. Pratiquer le patin, la raquette, le ski de fond, la motoneige, tout en étant prudent, parce que c'est certain que de s'inscrire à des températures basses, puis, ça peut avoir des conséquences désastreuses. Il faut faire attention à ça. Puis j'inviterai aussi les motoneigistes qui veulent visiter le secteur de Parent de réserver à l'avance pour l'hébergement, parce que on a beaucoup de travailleurs d'Hydro-Québec sur place ici avec des contracteurs, fait que ça peut être un peu plus difficile l'hébergement. Puis je vais en profiter aussi pour inviter les gens à aller dans le secteur de Casey aussi, qui est pas loin de Parent, où il y a de l'hébergement à l'année, au camp de base Casey, fait que c'est quelque chose qui est nouveau. C'est de l'hébergement en tente, en corps et tente, avec des dômes également. Fait que c'est quelque chose d'assez spécial à voir, mais ça rajoute un peu aux attraits du secteur. Fait que c'était pas mal tous les commentaires que j'avais là. Bon commentaire, M. Chagnon, puis c'est une plus-value pour votre secteur, en plus. M. Pronovo. Oui, merci, M. le maire. J'espère que les gens présents sur YouTube ont apprécié le déroulement de cette soirée. Vous l'avez dit, c'était une première.
Et j'espère pour moi que c'est une dernière, parce que j'aime beaucoup en personne qu'on se voit comme ça. En tout cas, c'est mon opinion. Et pour ça, ben, il faut justement resserrer les mesures sanitaires. Et je réitère l'invitation du CIUSSS-MCQ. Hein. On a mis à votre disposition des plages horaires, beaucoup de plages horaires pour la vaccination. Maintenant, 4 jours par semaine qu'on peut se faire vacciner là-dessus. Puis le mercredi, jeudi, vendredi, samedi, sur rendez-vous cependant, mais c'est facile à prendre des rendez-vous. Et là, c'est pour le vaccin de rappel, 3e dose, mais c'est aussi pour la 2e dose. Et ceux qui se seraient décidés maintenant à prendre leur 1re dose, ben, allez-y, ils vont vous accueillir à bras ouverts. Et je terminerai justement en ces temps de pandémie pour vous parler d'une très belle promotion, gâter un être cher en lui offrant un repas au restaurant sur livraison ou pour emporter. Ça, là, c'est wow. Encore une fois, là, les gens de là-dessus ont sorti sur un dixième. Hein. Ça, c'est notre service de développement économique et forestier avec la SADC et Desjardins qui ont collaboré financièrement à une nouvelle campagne de publicitaire que vous pouvez entendre à la radio et même à l'écho de là-dessus. Et ça, on vous invite justement à gâter votre famille ou même vous gâter vous-même en allant chercher un bon repas au restaurant pour emporter ou pour ceux qui font la livraison, sur livraison. Ça aiderait nos restaurants laticois qui ont été durement touchés aussi comme les autres restos au Québec. Vous allez me dire, mais on va parler pour nous autres, hein, on va défendre nos laticois. Alors, on a des bons restaurateurs ici à Latuc et il faut les encourager. Alors, moi, je salue l'initiative de la SDEF et des partenaires, comme j'ai mentionné tantôt. Et j'invite les gens, justement, à se gâter et à gâter votre famille et vos amis. Ça, envoyer une pizza à votre ami là, d'en face, là, ou qui reste pas loin, là, ça fera plaisir à recevoir. Hein? Alors, je lance le message. Là. Bonne soirée. Merci. Mais comme c'est vrai, on reste pas loin de l'autre Michel, hein, de Pérennifromage. Monsieur Fortin. Oui, bien, en fait, c'est une bonne heureuse année à tout le monde. Et puis, moi, je vais en profiter pour faire une invitation. Vous savez, on a passé un règlement ce soir au niveau des lacs et pêches pour la pêche en herbe au niveau du lac Saint-Louis, qui est mon secteur. Donc, j'invite le monde à venir faire la pêche. C'est une belle activité en famille qui est dehors. Ça va être dans un bon temps de l'année qu'il n'y a pas beaucoup de mouches. On était début de juin. Donc, la pêche, elle va être ouverte pour les jeunes. C'est gratuit au niveau des permis parce qu'ils sont en bas de 18 ans. Il va y avoir des gens là pour les aider, puis des gens qui vont possiblement avoir des cannes à pêche à passer pour nos petites familles. Donc, bonne pêche cet été, puis j'apprécie grandement ce que le conseil de ville fait. C'est une belle activité, puis continuons, on va la continuer demain froide. On va continuer difficilement, là, mais avec la COVID, mais on va faire enfin des activités pareilles. Merci. Merci. Avant d'aller à la pêche au lac Saint-Louis cet été, bien, vous pouvez y aller immédiatement au lac du Pendu. Bien important. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de familles, beaucoup d'activités. Fait que ça va être une activité aussi qui va être probablement reconduite sûrement l'an prochain. Monsieur Dubé, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Moi aussi, je voudrais en profiter au moins pour souhaiter bonne année à tout notre monde, là, toute la population de la ville de Latuc, puis la santé, puis qu'on peut passer au travers de ce qu'on vit à chaque jour. Fait qu'un jour, on souhaite arrêter de parler de ça. C'est un peu ça aussi qui nous retarde. Ça fait longtemps que je voulais partir un peu des conseils de quartier, mais ça va venir, découragez ou pas, on va vous voir quand, on ne sait pas, mais si c'est possible, en février, là, j'aimerais bien ça partir ça. Puis, après qu'on a été élu, on a eu une bonne rencontre avec Mme Tardy. Ça a été un sujet qu'on a parlé beaucoup du fibre optique. Après la rencontre, elle m'a envoyé un message comme de quoi qu'elle voulait avoir les adresses du monde qui étaient pluyées sur Hydro-Québec puis étaient ouvertes l'année du chemin. Elle voulait avoir ça pour nous pluyer probablement sur la fibre optique. On voit Internet à haute vitesse. Ça fait que moi, dans le temps des fêtes, je me suis mis là. J'ai sorti toutes les adresses possibles que je pensais. Fait que j'ai quand même cherché pas mal tout le monde. La semaine passée, on s'est rencontré M. Poirier puis M. Justin Pro. Puis on a tout mis ça ensemble. Puis on a fait. On a finalisé la feuille d'adresse. Fait que j'ai eu la feuille d'adresse en propre vendredi passé. Ça n'aurait pas été du déneigement aujourd'hui, mais ça aurait été rendu au bureau à Mme Tardy. Fait que je vous promets que d'ici vendredi prochain, la feuille va être rendue au bureau à Mme Tardy.
Puis on va se rentrer les mains, puis on devra avoir des bonnes réponses d'ici au mois de septembre 2022. Donc, en passant, on voudrait le remercier beaucoup, Mme Tardy, parce qu'elle nous fait, elle nous fait des bonnes grâces, puis elle est bien bonne pour nous autres, puis elle est en arrière de nous autres, puis merci beaucoup. Puis merci à vous autres, puis c'était une grosse expérience pour moi, m'asseoir en avant de l'ordinateur, parce que moi, en tout cas, la modernisation, c'est pas bien mon fort. J'aime ça. J'aime l'être humain, j'aime être en face, j'aime parler en face. Fait que, en tout cas, à ce soir, c'est ça. J'espère qu'à la prochaine à l'Assemblée, ça va être autrement. Puis merci à ma petite gang autour de moi qui vient s'occuper de moi. Je suis comme un petit bébé là à la soir. Fait que bonne soirée, puis à la prochaine Assemblée. Merci, M. Dubé. Puis, en tout cas, si on se fie aux paroles du premier ministre quand on l'a rencontré, c'est que lui, c'est sûr et certain que tout le monde au Québec va être branché avant les prochaines élections. Septembre. En septembre. Et que merci de vos commentaires. M. Godreau. Oui, bien, je réitère mes souhaits, mes vœux de bonne année là, pour toute la population, ceux qui se sont joints à cette assemblée-là. Je vais en profiter aussi pour dire que, définitivement, là, on parle de beaucoup de sujets qui sont déjà souvent là, qui ont déjà été engagés, fait qu'on en fait le suivi. Ça ne veut pas dire que les sujets qui ont été apportés par nos concitoyens là, ont été mis de côté. Là. Je veux juste faire un rappel là-dessus. Là, il peut y avoir un délai. Nous aussi, on apprend là, dans tout ça. Là, on se met en place tranquillement. Mais soyez pas inquiète. Si je me suis engagé, quoi que ce soit, là, à vous faire un retour là, sur certains dossiers, là, ça va venir. On va prendre le temps de le faire puis de le faire correctement aussi. Fait que, je vous demande de la patience et puis on va s'organiser pour faire ça dans le sens du monde. Merci. Merci de vos commentaires, M. Godreau. Madame Lévesque, est-ce que vous avez des commentaires? Non, merci. Monsieur Poirier, est-ce que vous avez des commentaires? Non, mais je réitère un peu mes vœux de bonne année à tous. Également, remercier les employés municipaux. On a eu une tempête, donc les diverses équipes, là, autant durant le temps des fêtes, on a dû mobiliser certaines équipes dues aux annonces que le gouvernement a fait au niveau de la santé publique. Comme M. le maire le mentionnait, il y avait une rentrée pour nous que les bureaux municipaux, entre autres l'hôtel de ville, s'ouvraient le 5, donc on fait face également à ces mesures sanitaires-là qu'on doit prendre comme employeur. Donc, je tiens à remercier là, chacune des équipes de travail ou chacun des employés pour l'effort qu'ils mettent, puis les précautions qu'ils prennent également pour retarder justement cette propagation-là au niveau du virus là, qui est la COVID. Donc, je réitère aussi les faits là, de prendre toutes les mesures nécessaires au niveau, peu importe dans quel domaine, prendre les mesures nécessaires là, pour éviter une propagation de la COVID. Là, donc, au niveau de la ville, on a fait certains ajustements pour éviter certaines choses. Là. Donc, je tiens à remercier tout le monde. Puis, je lui tends mes vœux de bonne année là, à chacun, chacune, là, autant au niveau de la population que des employés municipaux. Merci, M. Poirier. Avant de laisser la parole à Mme Landlet, je tiens aussi à remercier le diffuseur de ce soir. Oui. J'avais oublié au début, excusez-moi. Mme Landlet, c'est à vous la parole. Est-ce qu'on a des questions? Oui, M. le maire. Donc, non, on n'a pas reçu aucune question. Comme je peux voir, on en va aussi clair que la précédente. Fait que je tiens à remercier toute la population de l'écoute de ce soir. Puis, on est en rediffusion aussi, n'importe quand ça vous tente. Puis, par téléphone, vous pouvez communiquer avec tous les services. Si vous avez des questionnements, ça va nous faire plaisir de vous répondre. C'est sûr et certain qu'on ne peut pas être là en présentiel comme on avait commencé au début d'être là, mais ça va venir, soyez pas inquiets. Fait que ça me prendrait alors un proposeur pour la levée de l'Assemblée. M. Pronovost, appuyé par M. Dubé. Merci beaucoup à tous et bonne fin de soirée.